Salut mes riders, comme vous pouvez le voir, on se trouve sur MX Simulator pour tester un autre track qui a été réalisé par JGMT Bike, si je ne me trompe pas, qui est son JGMX The Flat Fun Track. Donc on va voir s'il porte bien son nom, si c'est vraiment un fun track. Mais j'ai déjà roulé avant, je peux vous dire que on verra bien. Et oui, parce que la dernière fois on avait testé Mountain Side, vous avez bien aimé, et du coup on a testé ça. Et je ne suis pas en 65 ni en 450, je suis en 2,5. Parce que je trouve que la 2,5 est plus sympa et plus plaisante à rouler sur ce track. C'est vrai que j'aurais même pu prendre la 2,5 de temps, parce que je n'ai pas pensé. Mais du coup je me dis que j'allais prendre la petite 2,5 et pour changer encore plus, j'ai pris la 2,5 qu'on avait en Supercross. Donc là, j'ai ressorti la petite cam. Donc là en l'occurrence c'est celle de Mathias, mais bon, peu importe. Ça marche très bien. Wow. Par contre il y a un problème de luminosité sur cette piste et vous allez voir en fait le pilote scintille. Et c'est juste assez énervant en fait quand on est dans l'ombre. Il scintille parce qu'en fait le track est trop lumineux, je trouve. Après, voilà, c'est une question de goût, mais moi je trouve que c'est trop lumineux. Ouf. Et ouais, vous allez voir que c'est vraiment encore un hybride, hein, comme il fait souvent entre du MX et du SX. Et là, c'est vraiment, comme je disais, hein, orienté vers le fun. Vous l'avez remarqué vite, que des gros jumps des... où on peut faire des gros enchaînements, voilà, un peu court. Avec du triple, du double, du tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment axé au gros jump et à vous de claquer les plus gros whips, quoi. C'est limite ça. Et c'est vrai que ça passe plutôt bien quand même. Hein. Les boss, je roule en 2,5 parce que en fait, il est beaucoup plus fun en 2,5 qu'en 4,50. Parce qu'en 4,50, on se met vraiment long partout. Alors qu'en 2,5, en fait, on se met un peu long. Du coup, bah, on peut garder des gaz pour bien lancer le whip, tout ce qu'on veut faire. Et, mais on se met pas à des kilomètres derrière la SEP. Donc c'est pour ça que je préfère prendre la 2,5, c'est quand même plus cool. Et, du coup, on est parti. Allez, on va lancer le fun, taper des gros whips, taper. Waouh, comment j'ai raté ça? J'ai voulu faire un flip, c'était dégueulasse. Pourquoi il a pas tourné? J'ai pas réussi mon enchaînement de touches. Et ouais, c'est ça, c'est que des gros jumps, que des... vous pouvez whipper sur tous les jumps. Des enchaînements assez sympas à prendre, comme là par exemple, si on arrive vite, on peut taper le triple. Yes, ça passe. Mais c'est vrai qu'en 2,5, ça rajoute en plus de la difficulté sur les enchaînements, donc ça, c'est encore plus sympa. En 4,5, on peut opter, je pense, des quand je fais des triples, des quadruples, si on prend bien. Mais bon, j'ai pas encore le niveau pour ce genre de choses, donc je vous dis que déjà les triples en 2,5, ça va être sympa. Donc on est parti, hein. L'arrivée est juste là sur la double. Mais bon, le but c'est pas d'être en tour sur ce track, c'est de s'amuser à claquer des gros whips. Et c'est vrai que si vous voulez rouler entre potes, bah, c'est vraiment un track où vous pouvez vous amuser. Vous en fait vous n'allez pas faire la course, mais genre c'est à celui qui va claquer le plus gros whip ou les plus gros scrubs. Parce que toutes les boss sont comme ça, à scrubber, à whipper. Parce que sinon vous mettez beaucoup trop. Ah, il y a un truc que je voulais tenter, c'était trip. Oula, je suis court. Trip directement dedans, parce qu'après il y a un petit trip, mais bon. Ça passe bien, voilà. Et les ornières sont pas compliquées, même si j'arrive à en sortir. Mais du coup, on peut vraiment les prendre vite pour bien prendre derrière. Là, il y a un petit jump que j'aime bien souvent comme ça, les petits jumps en transfert. Hop, trip, ça passe bien. Et le problème, c'est qu'en là, en 4,50, on peut faire quadruple. Mais là, ça passe pas avec la 2,5. Donc voilà, oula. Il manque un peu d'appui en fait dans les ornières. Sinon, ça serait vraiment top. C'est juste ce qui manque sur ce track. Et c'est pas la fin du monde. Oula. J'aurais dû faire triple. Après oui aussi, c'est pas un track qui est compliqué au niveau des ornières, donc forcément même si vous n'avez pas un gros niveau, vous pourrez vous amuser sur ce track. C'est pour ça que j'aime bien vous le proposer aussi, genre un track à peu près intermédiaire au niveau du niveau. Et du coup si vous savez rouler pas trop mal, bah ce sera pas compliqué s'ils sont pas défoncés. Il y a quelques trous de freinage, mais ça va encore, hein, on connaît bien pire. Sur un MX SGP ça n'a rien à voir. Yes, ça vient plus. Yes. Et du coup, ouais, si vous voulez vraiment vous amuser, même avec un niveau moyen, je dirais, bah, vous pouvez vraiment vous amuser dessus et entre pattes, oula, 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 oula. Et oui, comme je disais, de toute façon, en un mot, hein, il est fun et il porte vraiment bien son nom, ce Flat Fun Track. Allez, on ne rate pas là. Oui. Oula, un peu court. Mais vous voyez, les pneus brillent, c'est assez bizarre en fait. Parce que j'ai pris les golds de Pedesta et je crois qu'il s'est raté sur la texture des Pedesta. Je crois qu'il a mis brillant partout, voilà, les golds. Alors que les stocks, les pneus sont vraiment mat. Parce que là, on a l'impression qu'ils sont vraiment bien cirés, hein, bien neufs les pneus. Du coup, si on fait un terre, c'est plus galère de faire le trip, surtout en 2,5. Il vaut mieux enchaîner bien tranquillement. Alors ça, c'est vraiment le genre de boss. Oula. Que je galère vraiment, les doubles en virage comme ça, c'est vraiment pas simple. Et je galère bien dessus à prendre parce qu'à chaque fois je sors beaucoup trop externe et j'arrive pas à bien tourner dedans. Donc, après, c'est une question de choix.
Là, on s'applique. On va essayer de rouler vite quand même. Pour être fun. Rouler vite et bien. Bon, je suis toujours lent, comme dirait. Comme dirait Gauthier. T'es lent. Oui, je. Oh là, il était beau lui. Je suis lent dans les ornières, je le sais. J'arrive pas à prendre plus vite, sinon je sors. Je manque de confiance en fait dans les ornières, c'est pour ça. On va prendre extérieur, c'est pour changer. Je pense qu'extérieur en 2,5, si on prend vraiment vite, on peut vraiment faire un gros jump. Ah, le quadruple presque. Ah, pas les pieds. On peut vraiment sauter tout, limite, je pense. Si on arrive vraiment vite à bien prendre l'appui en haut et repartir vite, je pense qu'il y a moyen de tenter. Après, je ne sais point. Bon, du coup, vous venez à shooter, on va se tenter les petits. Petit défi, genre le triple ici. Oh, oh. Ça passe normalement, mais c'est vrai qu'en 2,5, c'est vraiment limite de chez limite. Et pour bien les prendre, parce que les appuis en fait ils vont un poil, ils sont un poil trop courts. Du coup on ressort avec beaucoup d'angle et c'est un peu dommage. Et oui, le but de paille, il n'y a pas de physique sur le but de paille, donc vous pouvez y aller, vous pouvez être transpercé. On s'en tape. Je ne sais pas du tout où je jump. Cette vidéo ne se passe absolument pas comme j'ai prévu, mais bon, c'est un détail, c'est pas grave. On va se concentrer un peu, il sera très bien. Ah, il y a un petit défi que j'aime bien me lancer. Intérieur ici. Intérieur ici et trip d'entrée. Oh, largement. Oh, là, par contre, le trip derrière, largement moins bien. Boum. Ouais, le trip d'entrée passe vraiment bien. Hop, le petit scrub. Non. Depuis quand? Ah oui, et si vous entendez des bruits Facebook, je suis désolé, j'ai oublié de le couper. Du coup, il y a les ch'tons de Facebook. Donc non, ce n'est pas vous. Je sais que vous avez regardé 15 fois vos notifications. Mais non, ne cherchez pas. C'est moi, juste oublié de couper le son des notifs. I'm sorry. Là, on va se faire trip. On est parti pour tenter les trips. Vous voyez, en fait, les appels sont vraiment proches des virages. Et du coup, en fait, c'est chaud pour bien se mettre dedans. Et bien prendre. Oh, on n'est pas trop mal, là, dans le virage. On n'a pas trop mal pris, là, ça va. Après, là, si on veut, on peut aller chercher l'extérieur aussi. Il y a un petit appui, wow, limite. Mais vraiment tout petit l'appui, hein. Faut pas trop lui en demander. Sinon, ça te passe. Point. 2,38. Oh, c'est moche. On va essayer de s'améliorer ça quand même à la fin, histoire d'avoir un temps auto raisonnable. Je sais plus en combien est mon meilleur. En... Sous les 2,10, je sais. Après, je sais plus combien. Pas sous les 2 minutes, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas. On va essayer de s'en faire un bien. Let's go. C'est entre autres pour ce jump là aussi que j'ai pas pris la 4,50. Parce que sur le petit trip tapé là, bah avec la 4,50 on se met carrément dans la pelle. Et du coup ça prend vraiment mal derrière. Oula, oula, vas-y, remets droit. Hashtag galère. On peut prendre comme ça aussi et faire triple. Ça passe bien. Sans trop de soucis à se faire. Voilà, ça passe. Allez, ça passe. Non. Décidément, ils veulent pas. Le problème, c'est que je suis en automatique. Et pour ce genre de jump, en fait, l'automatique est très pénalisant. Parce que bah, vous pouvez pas bien passer vitesse quand vous voulez. Du coup, ça passe moins bien. Allez, deux fois de suite. Yeah, deux fois de suite, parfait. Et derrière, c'est presque parfait. Wow. Les rebonds. Maintenant, on perd plus les pieds, mais des fois, les rebonds sont vraiment galères à maîtriser. Hein. Voilà, lui passe bien, lui passe bien, lui passe bien. Non, mais à chaque fois, je glisse à la SF. Je comprends pas, là, j'ai la roue avant hyper droite. Et je glisse, oui. Je lâche les gaz, parce que sinon, je risque de perdre les pieds. Mais je pense que peut-être qu'il faudrait que je reste plein de gaz. Donc, je passe quelques vitesses en plus, je sais pas. J'essaie au prochain tour. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ouh le long. Mais oh. Il n'y a pas besoin d'être ultra précis, ça qui est bien aussi. On se prend vraiment pas la tête dans ce track. Si vous n'êtes pas précis, vous en foutez. Les jumps derrière passent bien. Tout passe bien. Restez zen et ça roule tout seul. Vraiment rouler à la cool et ça c'est vraiment cool. Logique. Rouler à la cool, c'est cool. Bon, 2,10. Ouais, comme quoi, je pense que sous les 10 minutes, ça se fait l'argent. J'ai vu la petite glissette que j'ai faite. Puis j'attaque pas beaucoup, hein, je m'amuse aussi surtout. Et si vous avez remarqué, je fais que mes whips à droite. J'ai remarqué en fait, en la dernière fois, j'en parlais dans ma vidéo, c'est que
À gauche, je galère vraiment à les faire à gauche. Et ça, c'est comme tout en fait. Vous prenez l'habitude de faire dans un sens, ça passe super bien dans un sens, et quand vous voulez changer de sens, ah voilà, c'est la cata. C'est la cata pour aller passer dans l'autre sens, et ça ne passe point. Yeah, perfect. On va se prendre l'intérieur. Je sais que j'aurais dû tenter la trip. Oula, cours, 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 cours. Un conseil aussi que je vais donner, j'ai pas longtemps en message privé. Quand vous vous mettez court comme ça, lâchez tout. Vous lâchez tout, vous attendez. Et normalement, avec les derniers snapshots, vous perdez beaucoup moins les pieds qu'avant. Du coup, vous avez juste à lâcher tout. Et souvent, ça passe bien. Oula. Ah, ça glisse! Ah, je suis sorti de l'ornière. Oh non, la chute. Bon, je crois que j'ai mis en 5 tours. 5 ou 6 tours, je suis plus sûr. Je crois que j'ai mis 5 tours. Mais voilà, au moins vous. Je suis en stop wheeling? Non, non, normalement non. J'allais faire des flips. J'ai eu un soupçon de. Allez, on va y réussir le flip là. Tourne! 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 Je tourne plus assez. Je suis pas en stop wheeling quand même. Non. On va recommencer, on va faire demi-tour, on va y recommencer. Parce que le flip, vous me connaissez avec les flips. Moi, j'aime bien quand ça passe. Surtout que là, il n'y a pas de raison. J'ai chuté deux fois de suite tout à l'heure en glissant. Normalement, ça passe vraiment bien. Avec le 4,50, on s'envole. Avec le 2,5, ça passe bien aussi. Donc, normalement, il n'y a pas de raison de s'inquiéter que ça passe pas. Mais tourne. Je suis à l'embrayage trop tard en fait. Et du coup, il a pas le temps de prendre du grip et de tourner bien. Et ça bloque. Bon, c'est pas grave. Allez, on va finir. On retentera après. Flip. Mais je finirai pas cette vidéo tant que j'aurai pas passé un bon flip. Hein. Je vous préviens tout de suite. Là, je voulais tenter un truc. Est-ce que si on prend. Oula, dégueulasse. Bien comme ça, on pourra tirer sur la table des. Ouais. Ça fait un peu loin. Je tente des trucs comme ça en vidéo. Je me dis, tiens, ça pourrait être sympa, des petits kiffs. Et ça ne passe juste pas du tout. En tout cas, pas en 2,5. Parce que c'est vrai que quand on n'a plus l'habitude de jouer en 2,5, ça change. Hein. Le gameplay entre la 2,5 et 4,50, on n'a pas l'impression. Et ça n'a rien à voir. La 2,50, vous êtes vraiment dans l'accélération et un gameplay plutôt nerveux. Alors que le 4,50, c'est plus dans le couler et rouler, conserver sa vitesse. La 2,5, vous êtes plus à avoir gros freinage, gros accélération derrière. Bon, comme en vrai, hein, vraiment plus nerveux. Et plus impressionnant du coup à regarder rouler quelqu'un qui prend en 2,5 qu'en 4,50. Parce que pour être rapide en 2,5, bah du coup faut vraiment attaquer fort. Et on va essayer de se whipper de l'autre côté. Ouais, ça passe moins bien quand même. Hein. J'ai pas les bons réflexes, alors c'est abusé comme on prend des automatismes comme ça aussi. Et on va bien se mettre à l'extérieur. Ok. J'ai voulu refaire le transfert, parce que c'est vrai qu'il est vraiment marrant en fait. L'appel est assez bizarre, du coup il vous envoie. Je pourrais pas te décrire comment ça, la sensation que ça fait quand il vous envoie l'appel. Il vous envoie, oula, vraiment d'une manière assez particulière. J'aime bien quand ça fait ça. Comme si un peu vous flottez en l'air et... Je pourrais pas vous décrire cette sensation. Je pense que vous savez de quoi je parle. Allez, passe. Ah, j'arrive pas à être au milieu avec cet appel. C'est ça que je vous disais en fait, c'est que les ornières vous, extérieures vous emmènent énormément extérieur si vous voulez bien prendre les appuis. Et du coup, ça passe moins bien. Voilà, suffisait. Non, genre j'étais bien là. Et oui, on peut me le dire en commentaire si vous voulez. Je galère avec ces ornières. Sauf qu'en fait, là, il n'y a pas beaucoup d'appuis, donc forcément, c'est plus galère. Là, ça passe, là. Oui! Non! Je la passerai. Je la passerai. Moi, quand j'ai un défi comme ça, hein, je me le garde et je vais y arriver. Sauf que là, il manque vraiment pas grand-chose. Allez. Bon, non, je suis à côté, il y avait la vitesse. Oh. Oui, cette vidéo va durer 25 minutes. Je m'en fous. Je passerai. J'y arriverai. Oh, c'était moche. C'était moche. Bon, les mix, ouais, tu te concentres et tu me nous fais bien ça.
Là, j'étais vraiment court. J'ai vraiment mal pris l'arnière. On va se faire un dernier essai, hein, et puis tant pis, sinon je vais abandonner. Ce sera un échec cuisant dans ma vie. Pour réussir à passer ce triple en 2,5, surtout je sais qu'il doit être tout con à passer. Voilà, quand je prends trop vite une ornière, voici ce qui se passe. J'accélère trop tôt en fait, à mon avis. Allez, là ça passe. Oh oui, ça passe bien. Non, trop sur le côté. Ah, parce que derrière, je vais enchaîner. Hein. Je vais pas juste passer le triple, c'est trop simple. Faut pouvoir enchaîner derrière. Sinon, c'est pas marrant. Allez, on se concentre. Bon. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là. Hein. On a fait assez de massacres comme ça avec la 2,5. On va se finir le tour et on va s'arrêter là, je pense. Enfin, j'ai fait une bonne petite vidéo. Bon, du coup, un tour en 2,10, c'est pas fameux, mais bon, ce sera amusé. C'est le principe des fun tracks quand même, de s'amuser. Wap. Wap, 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 wap. On va se rattraper sur ce triple. En prenant ici, c'est plus galère quand même à le faire. Ah non, ça passera pas. En prenant l'extérieur pour reprendre l'intérieur, c'est vraiment la galère, hein, pour vraiment bien arriver dessus. Alors, est-ce que cette vidéo va être un cuisant échec ou... Ça va se défendre. Non ! C'est un cuisant échec. RIP MX, ouais. Bon, j'avais complètement vrillé le flip. J'ai eu de la chance de reposer rouge. Je pensais que j'avais même pas réussi à le redresser. Mais c'est pas simple, hein. Quand vous êtes à l'envers, réussir à redresser le flip. Quand il part de travers comme ça. Je peux vous dire que c'est pas simple du tout. Mais c'est bien ça. Embrayage, hein, trop tard, et du coup ça ne passe pas. Mais what? Là, je vous avoue que je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à atterrir. Pourquoi ça glisse comme ça la récepte? Je vais essayer de passer vitesse pour avoir moins de frein moteur, peut-être que ça glissera moins. Parce que le track ne glisse pratiquement pas. Hein. La différence du track est bonne et du coup c'est pour ça que je comprends pas. Oula, le vieux moteur. Ça tourne pas. Bon, MX, tu vas faire une vidéo d'une demi-heure là, je pense, hein, avec tes conneries. Mais bon, quand on était têtu, on arrive juste à la fin. Pour des genres de trucs qui ne servent strictement à rien, mais bon, on s'entraîne. Allez, bon là, il passe tout seul, normalement. Voilà. Il manquait un peu de rotation en fait aux autres pour que ça passe mal. C'est pour ça que ça passait mal. Mais là, il n'y a pas de souci, c'est bien passé. Merde, du coup, je fais. Bon, tant pis, on fait les doubles. Direct. Si, yes. Essaye de prendre de l'angle pour bien prendre les doubles. Oui, c'était propre. En fait, c'est ça, c'est peut-être que je veux trop fermer mon virage d'entrée. Et du coup, j'arrive pas à prendre bien l'angle après. Pour pouvoir repartir bien. Je crois que c'est l'arrivée. Vraiment possible. Oui. 5 minutes 48 le dernier tour. Bon, ça aura fait une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais bon. Ce n'est pas grave. Vu que vous en avez moins en ce moment, vous pourrez la regarder plusieurs fois si vous voulez. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo fun vous aura plu et un peu moins sérieuse sur MX Simulator. Vraiment essayer de s'amuser. Ok, d'accord. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était MX Way. Ride in peace.